Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Xenoblade Chronicles 3, un avenir retrouvé. J'espère que vous allez bien. Dans cet épisode, nous allons essayer de continuer de remplir notre monstropédie, de gagner en niveau et en tout, histoire de simplement... comment dire... remplir... Il manque un kit de trucs à trouver. Donc tout simplement de se préparer à affronter d'autres mobs, tout simplement. Les niveaux plus 100. Ça va être problématique. Alors apparemment, Taos Kugel. Ok. Vous m'avez dit que j'étais censé savoir les monstres que j'ai déjà tués. Je suppose que c'est eux, c'est le petit icône là qui est à côté. À côté du niveau. Et s'il y est, ça veut dire que je les ai finis. Que je les ai tués. C'est ça? Ok, ok, ben je... C'est bien ce qu'il me semblait que j'avais lu qu'ils avaient mis ça. Mais comme je voyais pas, ben en fait si. À côté du niveau 19, il y a un truc, ok. Parce que là, ceux-là, je les ai finis. Très bien. Alors, on est d'accord. Dans le bois vermillon, dans les vals nostalgiques, dans le bois vermillon, il m'en manque plein. Hein. Là, je vais dans les gorges d'Aurora d'abord. Ok, on va parcourir un peu le monde. Hein. Et dès qu'il y a un monstre qu'on n'a pas tué, on lutte. Ta-ta. On va en trouver déjà. Là, il n'y en a pas un. Celui-là, je l'ai tué. Celui-là, j'ai tué une stick. Ah, il y a un truc là, apparemment. Tan-dan-dan. Déjà allé là? Ah oui, c'est le tout, c'est le là où. Ah, ok. Faut que je descende. Non, non, non. C'est là où on a rencontré Rex. Du coup, il est où le ding ding là? Du pionnier. Stick. Aspar menaçant, je l'ai déjà battu, on est d'accord. Est-ce que c'est ça que ça veut dire? On va voir. Paf. Lit de stick, ouais. Mais il y en a beaucoup là. Hein. Mais parce que je suis dans les montagnes noires, mais quel con. Je suis dans les gorges d'Aurora là, on est d'accord. Lit de stick. Bébé Aspar. Aspar menaçant 0 sur 2. Mais. Comment? Comment ça se fait alors? C'est peut-être pas celui-là. Aspar menaçant. Si je le tue et que ça me le met, je comprends plus rien. Bah si, voilà. Mais je comprends rien du coup. Aspar menaçant, je l'avais pas buté. Justement, c'est quand il y a le... Non mais il y a encore le truc. Comment je sais du coup que je l'ai tué ou pas? Voyez. Je pensais que c'était le petit icône de bête là, qui est à côté du niveau. Mais il y était alors que je l'avais... Que je l'avais pas rentré dans la... Du coup, comment je suis censé faire? Pour savoir comment je les ai tués ou pas. Je n'ai aucun moyen de savoir. Je n'ai aucun moyen de savoir. Ouais, ceux-là, je ne sais pas si je les ai tués. Ou si je les ai pas tués. Comment je suis censé savoir? C'est très chiant, ça. C'est censé être indiqué où?
was patently obvious. In fact. Système. Astuce. Monstropédie. Remporter des points d'entente en battant le nombre. Ok. Les monstres déjà enregistrés dans le Monstropédie sont marqués avec un machin. Les entrées complètes avec un validé vert. Les monstres non enregistrés n'ont aucune de ces icônes. Si vous trouvez un monstre qui n'est marqué par aucune de ces icônes, ne manquez pas de l'affronter. Afin de continuer à remplir votre Monstropédie. Les monstres dont le niveau est plus élevé apparaissent en jaune. Apparaissent en rouge. Mais y'a rien là. On est d'accord, y a pas l'icône. Y'a pas l'icône. Comment ça se fait? Y'a aucune icône. Y'a rien. C'est atroce. Comment ça se fait qu'il n'y ait pas l'icône? Option. Texte. Affichage. Information additionnelle. Ah mais voilà, mais pourquoi c'est marqué sur nom aussi? Information sur l'ennemi. Merde. Pourquoi c'est sur nom? Oui, j'applique les paramètres. Y'a plus un monstre pour tester si c'est ça y est ou pas. Bon, comment je regarde là? Gorge d'Aurora. Ah, y'a un truc là au-dessus. Ok, faut que je monte. Il est là. Ah, ça me met l'heure, ça me met le temps de repas. C'est pas mal ça. Est-ce que je peux remonter du coup? Ouais, je devrais pouvoir. Bah, c'est mieux là quand même. Est-ce que j'ai les monstres du coup? Alors a priori, j'aurais tendance à vouloir me dire qu'il faut que je remonte. Hop. Non. Si j'ai enfin les trucs des monstres, ça sera quand même vachement plus pratique. Ça évite de regarder la Monstropédie à H24. Mais je pense qu'il faut que je fasse un truc comme ça. Voilà. C'est quoi, c'est un kit? Non, c'est un fragment mystérieux. C'est tout? C'est juste un fragment mystérieux comme ça? Ok. Là, il n'y a plus de points rouges, hein. Ouais, mais là, il n'y a plus rien. Parce que dans les gorges d'Aurora... Ça en fait partie, ça? Ouais, ça en fait partie. Donc, il y a forcément des machins, là. Hop. Nothing like the wind in your hair. Ok, est-ce que là... Un monstre, s'il te plaît. Mais oui, voilà, il y a les infos. Mais parfait, ça. Là, tout est fait. Par exemple, pourquoi il y a un petit point bleu par contre, un petit point... Pourquoi il y a un... Ouais, une cible là. Est-ce que c'est parce qu'il me faut un truc? Non, je pense pas. Ta-da-da. Ouais, je sais pas. Ok, bah là on a fini. Mais il fallait que ce soit affiché dans les trucs. Est-ce que c'est moi qui les ai désactivés au tout début? Ou au contraire, je me suis fait des baisers par le jeu? Ah voilà. Salut toi, par exemple. Paf. Ta 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 la ta ta la. Allez zou. Ta ta la ta 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 la ta la ta. Ta la la ta. Écrasement mon ado. Boum. Ta ta la ta. Ok. On a fait un déjà. Un autre là. Tunnel de fonte de Zalmor. Au passage, on va récupérer ces machins.
si jamais on a besoin d'un loot. On a toujours besoin d'un loot. Un argenté. C'est pas indiqué combien il m'en faut encore. Ta 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 ta. Pin 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 pin. Bah c'est quand même mieux quand c'est affiché. Ta 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 ta. Parce qu'autant les... Ouais, autant les infos à droite sous la map, sous la minimap, c'est possible que je les ai enlevées. Autant les infos des monstres, ça me paraîtrait très bête. Parce que je sais que c'est une fonctionnalité que je cherche depuis qu'on m'a annoncé qu'elle existait. C'est quand même assez bêta, quand on y songe. Ta 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 ta. Tan, 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 tan. Allez, ça dégage. Boum. Il n'y a pas besoin de le tuer, mais par pur plaisir. Est-ce que je peux remonter quelque part là? Par sur la rive à l'autre bout du monde. Ce sera plus simple de se téléporter, je crois. Tan, tan. Bon, ceux dans la flotte, a priori, je les avais pas battus. Je les avais pas battus, mais eux, je les ai battus, non? Ça, c'est battu, 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 battu. Là, il y a tout, là. Ah non, il y a lui, là. Hop. Lui, je l'ai pas battu. Il en manque un. Voilà. Souffle corne. Paf. Ok, voilà. Ça, c'est bien, ça. Hop. Là, ils sont tous verts. Y a-t-il autre chose? Y a rien, là. Ok, ok. Alors, monstropédie. Des bons bucs. Ça se trouve dans la plaine, ça, non? Autant les salmos, ça doit se trouver quelque part dans la flotte. Autant le reste. Ok. Un éclair araignien. Ok, on a tout fait. Il y aurait juste l'éclair araignien. Et après, c'est dans la plaine et juste la truite, je sais pas quoi. Ça doit être trouvable. Ça doit être par là, hein. Petit soldat agnien. Il y a peut-être dans un lac, là, le salmo. Ça doit bien se trouver. Toi, je t'ai fait. Toi, on t'a eu. Là, il y a un soldat agnien, voilà. Hop. Ça va être compliqué d'en agresser qu'un seul. Sans tous les taper. Mais c'est toi qu'on veut taper, de toute façon. C'est toi notre cible. Ah, le petit icône, ça nous disait que c'était une bête. Alors que lui, c'était un agnien, ok. Ok, ok. Ok, ça c'est mort. Y'a pas les petits salmos là? Toi tu veux mourir effectivement. Explosion. Parfait. Non, il n'y a pas de petit salmo là.
tous déjà battus. Y a pas de jaune là. Non, je pense qu'il n'y a plus rien là. Il y avait potentiellement dans le lac ici. Potentiellement dans le lac là. Après, là, on est encore dans les gorges d'Aurora là. Je suis des Almores. On est encore dans les trucs de. Ouais. Donc c'est possible que, genre, ici, il y ait les Salmos. Gorge d'Aurora. Ouais, on est forcément là. Hein. Ils peuvent pas être ailleurs. Ils sont forcément dans le lac. Les Poiscailles. Ok, we've arrived. Ça doit être par là. Hein. Non, je sais pas. C'est pas dans le lac, c'est où? Je les ai... Ah bah oui, c'est ça. C'est bien dans le lac. Ok, ok. Parfait, ça. À un moment, c'est nécessaire. Ça va vraiment la gueule de Poiscaille, quoi. Hop. Paf. Lol. Sont fait éclater. Bon, par contre, les autres, là, c'est un peu plus complexe à savoir. Parce qu'il y en avait quelques-uns. Que eux, non. Petit Ramfa. Hop. Quoi, Ramfa? T'es sûr de vouloir nous taper, toi? Où est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres que je n'ai pas tapé? Là-bas, j'y suis pas forcément allé s'il y avait un boss. Voilà, il y a un petit gouffre là. Ici, on a tout eu. Le piaf, peut-être. Guru Guru Babalu. Babalu. Guru pense à voyage pour retrouver Jean bientôt. Et tu vas partir avec lui. Guru et Babalu en pleine quête pour Miam Miam. Parfait. Babalu ira jusqu'à bout du monde avec Guru si nécessaire. Oh, et bien bonne chance. Babalu a hâte de revoir Amipon pour papoter Champipon. Non, on n'a pas tout eu là. On a déjà tout eu ici. Où est-ce qu'ils peuvent être? Parce que j'ai tout tapé là, je crois. Hein. Ta-ra-ta. Là, non. Il me semble qu'il m'en manque un. Hein. On est d'accord. Il me manque des bons bucks. Et un ardon macido. Et il me manque également une grenouille machin. Batrazar Malbar. Et c'est tout. Ça va bien se trouver, ça. Batrazar, ça pourrait être près des grenouilles. Hein. En tout cas, j'ai tout dans l'encyclopédie. Donc j'aurai forcément un machin jaune qui se met. C'est un Chiro. C'est bizarre. C'est bizarre. Là, c'est la mort assurée, non? Oui, là, c'est les deux boss. Ah merde. Je l'ai dit, c'est peut-être les deux monstres qu'il y a là, quoi. Il y a deux monstres ennemis qui sont ici, ça se trouve c'est ceux-là. Non. Les ropes, c'est déjà fait. Ta 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 ta. A priori, bon, on les avait déjà eu quoi. Ta 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 ta.
Bon, vous, on vous a déjà eu, hein. Ta 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 ta. Ok. Ah, mais je crois qu'il n'y a rien de plus là. Ta 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 ta. Ok. Bon, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Donc, où est-ce qu'ils peuvent bien être? Port du bataillon. Ben là, peut-être ici, hein. En vrai, peut-être sur la transition. Ça paraît bizarre quand même. Well, here we are. Les grenouilles, les machins, on a fait ça. Où est-ce que je peux trouver un machin qui vole? C'est peut-être dans la grotte, hein, mais je croyais l'avoir exploré. Là, il y a un truc. Ah, celui-là, il me faut. Ouais, il me faut celui-là. J'ai reconnu sa dégaine, ok. Ça se trouve, il y en a d'autres. Ça, c'est le même. Paf. Ta 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 la ta ta ta. Ok, Ardon Macido, c'est fait. Il peut pas y en avoir un autre par hasard. Non, il n'y a pas les petits piafs là. Flûtin. Où est-ce que je peux trouver la grenouille? La grenouille, c'est prêt, ça sera près d'un lac aussi, non? Mais lequel? Sachant que j'ai déjà fait tous les lacs quasiment. Ah, une grotte là. Ça peut être dans la grotte. Il va y avoir une grenouille, un truc qui vole dans la grotte, non? Peut-être pas, hein. En vrai non, c'est la sortie du piège là. Je pense pas. Non, y'a rien là. Y'a que dalle. Toi, on t'a buté. Où est-ce que je pourrais aller? Ah, peut-être ici. Non, c'est pas le nostalgique ça. Ah, alors techniquement. Techniquement, là c'est le. Ok. Au-dessus peut-être. Je les ai peut-être pas tués. Là on est dans le Val Nostalgique. Mais en passant par là. J'accède aux gorges d'Aurora. Peut-être qu'ici, sur cette zone en hauteur, j'ai des monstres que je n'ai pas tapés. Je sais pas. Bon, pas là en tout cas. Hein. Après, en même temps, il y a peut-être pas de monstre. Hein. Je perds de voir de points rouges là. Dun, dun, dun. Là, j'arrive. Je quitte les gorges là, non? Et ouais. J'arrive au bois vermillon là. Donc ça ne va pas du tout. Est-ce que je retrouve la grenouille? Et le truc qui vole. Ah. La grenouille près de la flotte, ça ne paraît pas déconnant. Mais... Le machin qui vole là, ça c'était bien ça. Où est-ce que je peux trouver le machin qui vole? Pas par là. Ancienne citadelle de Grandel. Ta-da-da.
Grandel, on est d'accord, c'était dans le premier jeu, hein. Ou dans le second. Ça, je sais plus. Ta la 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 la. Non, mais là, il n'y a rien. Hein. Certain que c'est pas là. Au-dessus, il y a le lac machin, mais ça, on l'a fait déjà. On n'a peut-être pas bien fait, hein, le lac. Peut-être que c'est au niveau d'ici, hein. C'est peut-être derrière. Derrière Gotthard, hein. Non. Non, c'est pas derrière Gotthard. C'est pas vous non plus. Peut-être un lac au-dessus là, au-dessus de Gotthard. Et peut-être une grenouille ou un quelque chose. Non, malheureusement, pas de grenouille. Ouais, y a rien quoi. Non, non, non. On t'a battu. Y a pas le truc qui vole non plus. Non, c'est pas là. Hein. Près du lac là-bas non plus. Je vais bien finir par les avoir, non? Là, j'en viens, mais y a pas là. Ah. Là, il n'y a que dalle. Il n'y a que dalle aussi. Non, mais il n'y a vraiment rien. Hein. Damnation. Je vais pas réussir à trouver la grenouille ni le machin volant. Je vais vraiment être bloqué sur ça. Enfin, après, c'est pas grave, on finira pas les gorges d'Aurora sur ça sinon. Hein, mais J'aurais bien aimé quoi. Bah non, hein, tant pis. Hein. Tant pis, tant pis. Pas où c'est que ça peut être. Là, on est Val nostalgique. Ça, c'est les gorges d'Aurora. C'est peut-être là. Peut-être dans ce lieu sacré. Non, il n'y a pas de monstre. Y a rien ici. C'est très très joli. On va y retourner. Après, c'est peut-être simplement là et j'ai mal. Truc volant ou quelque chose. Hein. Peut-être un des côtés qui te permet d'affronter ça. Hein. Je pensais avoir tout tué. Hein. Je pense que j'ai tout tué ici, mais... En passant, mais je peux me tromper. Se trouve là, il y a un truc dans le tunnel que je n'ai pas fait. Il y a un cul-de-sac. Bon, c'est un cul-de-sac, il n'y a rien. Pourquoi il n'y a rien comme ça? Y'a rien. Ah, c'est là quand on tombe. Ok. Il semble qu'il y a un trou. C'est quand on tombe, on arrive là. Ouais, donc là, il y a bien rien. Comme prévu. On va refaire le tour, hein, mais... Faire attention au trou. Voilà, on va pas se faire avoir. Non, mais ici aussi j'ai tout tué. Damn.
Et là on arrive là où j'étais tout à l'heure. Donc non, ce n'est pas là. Bah tant pis, hein. Si vous, vous savez où c'est, n'hésitez pas. Talala, 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 talala. N'hésitez pas. Ou au moins à me dire la zone. Vous voyez, c'est... C'est plutôt cette grotte. Si c'est plutôt... Par exemple, si je vous montre la carte... Est-ce que c'est plutôt dans cette grotte-là? Dans la zone-là, dans les ruines du temple? Est-ce que c'est plutôt du côté... ici? Disons, viaduc de Gore. Ou alors, on est plutôt du côté... Diablada, quoi. En gros. Sur ces trois zones. De quel côté, sur quelle zone je trouve ces monstres? Pour l'heure, on va s'arrêter là pour cet épisode. Merci à tous de l'avoir regardé. On se retrouve dans le prochain pour la suite. Je ne sais pas quand est-ce qu'il sera, mais il arrivera. Ciao, ciao tout le monde!